si la question est de savoir si je suis superstitieux, je le suis à 200%. Mais maintenant, je suis habitué. Hein. En portant des couleurs comme celle-ci, je le vis très bien. Les regards des gens qui passent sur le quai sont d'abord étonnés, mais sont très très positifs. Ils se disent souvent, mais oui, il fallait y penser. Il fallait que ces marques osent aussi montrer qu'elles existent, quoi, que c'est aussi des gens derrière. C'est le directeur de course de la Mini Transat, une célèbre course aussi qui me l'a sortie, et je la trouve pas mal. C'est avec un nom pareil, tu vas faire ton trou dans la voile. Et ça, je trouve ça trop bien. Et quand on me parle de la concurrence, on me dit souvent au départ de la course que je vais tous les tuer. Mais ça c'est pas fait encore. Une célèbre, je pense que tout le monde la connaît, c'est l'animal dont il faut taire le nom, avec des grandes oreilles. On appelle le Pollop. Et ça, c'est celle-là qui est la plus connue. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. En mer, il y a beaucoup de superstitions. Mais celle-là, c'est vraiment la plus connue. Alors, j'ai une bestiole fétiche et j'en ai un peu partout dans le bateau. Enfin, là, ils sont dans le véhicule, mais elles vont arriver demain. C'est des marsupilami. Ça m'a toujours porté chance. Attends, il n'avait pas appliqué. Donc, j'en ai plein. Partout. Et tout le monde se pose la question et j'en ai toujours eu. Et en fait, il y en avait un immense quand j'étais petit. Et un jour, ma mère voulait le jeter. Et c'est 2 jours avant le départ de la route du Rhum. Je l'ai mis sur mon bateau et je me suis aperçu que tous les gamins s'arrêtaient devant le bateau parce qu'ils connaissaient cet animal-là. Et depuis, j'en ai toujours à bord, ça me porte chance.